plus unis que jamais après l'affaire. En 2020, le couple formé par Alexandra de Tadeo et Piotr Pawlenski était parvenu à piéger Benjamin Griveaux, alors candidat à la mairie de Paris. Ils avaient diffusé une vidéo intime de l'ex-membre du gouvernement, récoltée par la jeune femme lorsqu'elle était son amant entre mai et août 2018. Près de 3 ans après les faits, Alexandra de Tadeo et Piotr Pawlenski sont toujours en couple. S'ils sont très discrets sur les réseaux sociaux, des photos d'eux, côte à côte, ont été diffusées sur le compte Instagram de la jeune femme, ce lundi 23 janvier. Le compte Instagram d'Alexandra de Tadeo ne compte aucune publication. Mais, ce lundi 23 janvier, elle a pris soin de partager en story des images éphémères capturées lors d'une soirée, passée en compagnie de son amoureux aux cheveux très courts. Tous deux sont notamment montrés très proches, s'enlaçant, mais aussi joue contre joue. Sur l'un des clichés, l'inscription Amoroso, N. DLR, avec tendresse en italien, a été ajoutée par Alexandra de Tadeo. Alexandra de Tadeo et Piotr Pawlenski bientôt jugés. Alexandra de Tadeo et Piotr Pawlenski apparaissent complices sur Instagram. Concernant l'affaire judiciaire, ils sont également sur la même longueur d'onde. Les versions de chacun portent davantage la responsabilité sur l'activiste russe que sur l'ancienne étudiante. Devant les juges, la jeune femme a notamment déclaré que la diffusion des images avait été effectuée par son compagnon sans qu'elle soit d'accord, ni même sans qu'elle en ait été préalablement informée. De son côté, Piotr Pawlenski a maintenu avoir obtenu les vidéos enregistrées par sa compagne en les volant sur l'ordinateur, comme le rapporte Le Parisien. Une version des faits qui n'a jamais trop convaincu les juges chargés de cette affaire. Tous deux ont été mis en examen en février 2020. Piotr Pawlenski et Alexandra de Tadeo devront comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Crédit photo, Dominique Jacovide.